Chers Ivoiriens, le problème des Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de prendre cette vidéo, de l'envoyer dans tous les groupes, de pousser énormément les bleus, parce que je vais parler fort. Chers frères, voici que Debordo Litoufa a un souci avec Assalfo. Et je vois des Ivoiriens qui viennent attaquer Debordo. Ils viennent clasher Debordo. Je vois des Ivoiriens qui disent que Assalfo a raison parce que Debordo ne travaille pas. Je ne comprends pas. Lorsque vous dites que Debordo ne travaille pas là, vous faites allusion à quoi? Parce que Debordo a fait sortir un son il n'y a pas longtemps. Hein. Même si ça fait quelques mois de là. Mais même si c'était en 2023. Mais le son là est là. Le son là est à combien de millions de vues? Nous sommes plus de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Au moins 90% de la jeunesse possède Internet. Ils ont accès à Internet. Debordo là, il a fait sortir son son là, son dernier son là. Le son a combien de vues? Alors, j'aimerais savoir une chose. Ceux qui disent aujourd'hui que Debordo n'a pas raison là, ce sont ces mêmes personnes hier qui disaient que Arafat n'avait pas raison face à Assalfo. Ce sont les mêmes personnes qui insultaient Arafat. Nous allons écouter cette vidéo d'abord et puis nous allons continuer. Continuez à mettre les bruits. Dis-moi Assalfo, on n'y a pas de preuves. Tu dis que c'est pas toi qui as fait l'artiste, l'affiche des artistes qui devaient rester pour la balle. Voici la programmation des artistes qu'il y avait, voici la programmation des artistes qui doivent prester, qui devaient prester pour l'événement qui aura lieu ce samedi. Vous voyez bien, il y a Serge Benoît dedans. Tu dis que c'est pas toi qui as fait le programme. Mais, Gao Production, moi, voilà là, c'est quoi? Est-ce que vous voyez bien? On va bien? Vous voyez bien? Gao Production, j'étais dans cette liste d'artistes et tu m'as enlevé. Alors, chers frères, vous voyez? Assalfo n'est pas là pour aider la jeunesse ivoirienne. Les artistes ivoiriens là, Assalfo n'est pas là pour les aider. En tout cas, c'est dit la vérité. Les contacts que Assalfo a là, lorsqu'il prend un Debordo, parce que je vois les gens qui disent que non, Assalfo ne veut pas propulser Debordo à l'envent parce que Debordo ne travaille pas. Quand tu produis quelqu'un là, c'est toi qui envoies cette personne en studio. C'est-à-dire, si tu dois aller au studio là, c'est toi qui payes le studio quand tu produis une personne. La collaboration d'Assalfo et Debordo là, ça servait à quoi? C'était une production ou bien c'était bonjour, bonjour. C'est-à-dire, hein, lui il s'appelle Debordo, j'aime trop sa tête, il n'a qu'à se promener à moi. Moi, lui, moi, Assalfo, moi, Assalfo et Debordo, on se balade ensemble. C'était une question, c'était un contrat qui disait que Assalfo et Debordo doivent se promener ensemble ou bien c'était un contrat qui disait que aujourd'hui, Assalfo prend Debordo sous ses ailes pour le propulser. Alors, quand tu prends quelqu'un comme Debordo, qui a déjà un talent énorme, tu ne le fais pas dormir. C'est toi qui dois le pousser. Nyaouli, il faut faire sortir une nouveauté. Nyaouli, j'ai écrit un test là. Il faut voir si c'est bon. Nyaouli, j'ai contacté Maître Gims. Tu vas framponner un truc avec lui. Nyaouli, Assalfo là, c'est un enfant. Je veux que tu fasses un featuring avec lui. Tu vas le coucher. Je vais arranger ça. Si Assalfo appelle Assalké, Assalké ne peut pas brancher. Si Assalfo appelle Niska pour un projet avec Debordo, Niska va dire oui. Si Assalfo appelle Maître Gims pour dire Maître Gims, viens, il va dire oui. Si Assalfo appelle Fali Poupa pour dire, toi Debordo, là, il y a un petit truc. Aujourd'hui, là, on va mettre un, voici ça, voici studio, vous deux. Ils vont dire oui, parce que tout cela mange dans la main de la Côte d'Ivoire. Tous ces artistes-là mangent dans la main de la Côte d'Ivoire. Peut-être les artistes Naija, les Nigériens, là. Peut-être qu'eux, ils ne mangent pas de la mer de la Côte d'Ivoire. Mais à part eux, là, les francophones, les quoi, tout cela, même les artistes français mangent de la mer de Côte d'Ivoire. Quand on parle de streaming, c'est nous, on les donne, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'ils viennent faire beaucoup de concerts en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est nous qui leur donnons plus de vues. Quand ils regardent les statistiques là, de vues, là, la Côte d'Ivoire est toujours en tête. Voici pourquoi ils viennent toujours en Côte d'Ivoire pour faire des concerts. Et on leur paie des milliers, des millions. Des 300 millions, des 500 millions, on les donne. Mais chers frères, quand c'est comme ça là, puisque c'est Assalfo qui gère le business, si Assalfo appelle un artiste, il va dire oui, il arrive. Debordo a raison. Hier, yeah, Arafat avait raison. Écoutez cette vidéo d'Arafat. Continuez à pousser. Mais l'objectif aujourd'hui de certaines personnes, ici, en ce moment, en Côte d'Ivoire et à Abidjan, voilà, leur objectif c'est de m'assassiner.
assassiner comme on assassine quelqu'un, c'est lorsque tu lui coupes les vives. Lorsque tu essaies de lui faire porter le chapeau, lorsque tu essaies de faire passer cette personne pour le méchant. Je ne sais même pas c'est pourquoi en plus. Je ne sais même pas c'est pourquoi, parce que moi je ne sais pas ce que j'ai fait au grand frère Salfo. Hein. C'est sûr, sincèrement, et si je passe par par mon Facebook pour lui parler, c'est parce que un, j'ai pas son numéro. De deux encore, j'ai pas envie d'avoir son numéro. De trois, ça fait un bout de temps que je suis dans mon coin, je dérange personne. Mais vraiment, trop c'est trop quoi. Trop c'est trop. Et quand je me mets devant cette vidéo pour vous parler, c'est que c'est parce que c'est vraiment trop. Continue à pousser les bleus. Alors, chers frères, c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, là, le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est à Salfo, sur le plan musical. Si nos artistes sont en retard, c'est parce que lorsqu'ils vont chercher des artistes et qu'on les paye des 100 millions pour venir faire concert en Côte d'Ivoire ou bien pour des événements culturels et que nos artistes, là, on les donne 10 millions, 5 millions, là, comment ils vont s'en sortir? Lorsque tu prennes un Rechene ou bien Safarel, qui est un staff qui contient au moins 20 personnes, tu lui donnes 10 millions là, il va gagner combien sur les 10 millions? Tu lui donnes 5 millions là, il va gagner combien dessus? Mais les 100 millions que tu donnes à ceux qui viennent pour une heure de prestation, bien pour 5 minutes de prestation là, si tu donnes ça à Safarel, il va te faire chaud de 4h jusqu'à 6h du matin. Alors, chers frères, valorisons nos artistes. Je vois des gens qui s'attaquent aujourd'hui à Debordo. Arrêtez de vous attaquer à Debordo. Il faut valoriser nos artistes. Je vois aussi des personnes qui disent que Debordo doit travailler. De quel travail vous parlez? Quand tu es dans un label, là, c'est le producteur qui te pousse à travailler. C'est lui qui te propose. C'est lui qui doit te pousser à dire, fais sortir un son, fais ceci, fais ceci. Parce que quand tu es sous contrat, là, c'est pas toi qui décides. Tu peux faire des projets, tu vas écrire. Mais tant que le producteur n'a pas validé, là, tu ne fais pas sortir le projet. Donc, vous devez savoir d'abord ce qui se passe entre Salfo et Debordo. On va venir insulter Debordo. Si Debordo est sorti pour parler là, c'est parce qu'il a raison. C'est ce qu'est la vérité. Chers frères, poussez les bleus. Tu as le courage et la mentalité, tu as le moyen même de te coucher là. Pourquoi on joue à ton clitoris, on se pousse à l'histoire, tu as la